Salut à toutes et à tous, ici Calion, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 5 de notre aventure sur Spyro 3, Year of the Dragon, Reignite Trilogy. Aujourd'hui nous allons donc entamer le monde de la Lodge Tiki, qui est un des mondes que j'attendais le plus, parce que, enfin, à m'entendre en fait j'attendais tous les mondes, donc voilà, comme ça on est fixé. Mais non, c'est vrai que ça fait partie des mondes que j'attendais le plus parce que, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, à la toute fin, j'adore son ambiance. Vraiment, j'adore son ambiance, j'adore ses mini-jeux. Et les couleurs sont très 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 belles, très vives. En même temps, c'est du rouge, donc vous me direz, c'est normal. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler à notre cher ami, puisque, comme vous pouvez le constater, nous avons 20 E. Et il en fallait 10 pour ouvrir ce portail, donc c'est bon. Voilà, on peut passer, c'est cool. Enfin, mon portail fonctionne à nouveau. Viens me voir à la Lodge Tiki. Eh bien, quand tu veux, Rocky. Ah, d'ailleurs, cratère en fusion. Oui, bah si, c'est bon. Non, je croyais qu'ils avaient changé le nom. Alors, de souvenir, non. Mais j'ai eu un petit bug tout de même. Hein. Par contre, en fait, moi, j'ai l'ancienne PS4. Vous voyez, moi, je l'ai acheté en 2015. Donc, je crois que c'est la première édition. C'est vraiment le gros machin, là. Et à chaque moment, à chaque fois que je lance un jeu, j'ai peur qu'elle décolle. Genre qu'elle arrache la toiture de la maison. Genre, c'est un truc de ouf. Même Spyro. Parfois, je pense que vous l'entendez en fond, mais c'est trop chiant. Et voilà, nous voici dans la Lodge Tiki, avec Pumba en fond. Ah, écoutez-moi cette musique, elle est tellement géniale. Les basses dans Spyro sont incroyables. Et maintenant, on va comparer avec l'ancienne musique qui était tout aussi bien. Comment faisons-nous? C'est comme ça? Voilà. En fait, la basse était quand même beaucoup plus démonstrative dans les versions PS1. Mais j'aime beaucoup quand même la version Reignite. Voilà. C'est des musiques retravaillées qui changent un petit peu. Elles sont différentes, mais je les aime tout autant. Après, c'est sûr que pour quelqu'un qui est très nostalgique, il va probablement préférer les originales. Mais j'adore les musiques de maintenant aussi, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y a des Rinnoc partout dans le coin, mais je ne peux sortir personne de la Lodge Tiki assez longtemps pour y remédier. Bah, je vais m'en charger, mon pote, c'est pas grave. Tranquille, reste là, je reviens. Ah oui, je m'en souviens de... Est-ce que... Oui, ok, alors j'ai même pas pu faire mon esquive latérale. Le bouton ne répondait plus. Oh! Ah ok, je croyais qu'elle était plantée dans le sol. Ok, j'ai bugué, je croyais qu'elle était carrément plantée dans le sol. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle a des très grands yeux. Putain, mais c'est tellement beau, regardez-moi ça, quoi. Je surkiffe. Là, ça me fait penser au monde de Spyro 2. Alors, je sais plus son nom. Les terres de Skellos, je crois. Je crois que c'est ça. Les terres de Skellos, qui est un de mes mondes préférés, je vous le rappelle. Et les terres, je sais plus comment s'appelle le nom du monde volcanique dans Spyro 4, qui est vers la fin, je crois. C'est génial. Et du coup, il me fait penser également au monde un petit peu dans le même style dans Spyro 5, Hero's Tale. Oh là 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 là. Non, en fait, j'ai l'impression... Vraiment, j'ai l'impression que... Spyro... Quand je vois des graphismes comme ça, avec des environnements pareils, j'ai vraiment l'impression que Spyro 5, et vous savez à quel point je le porte dans mon cœur, n'a pas changé, ne vieillit pas. Alors déjà, c'est un bon point, parce que si un jour, on sait pas, hein, peut-être par magie ou par un miracle, que sais-je, peut-être, hein, s'ils refont... Le 5, parce que bon, j'ai remarqué depuis quelques années, comme j'en ai parlé précédemment dans quelques vidéos en arrière, je crois, les remakes ou les remasters, ils savent que ça marche bien parce qu'il y a le coup de la nostalgie. Voilà. Les gens, tu les prends par le sentiment en leur rappelant des jeux de leur enfance, tu les refais au goût du jour. Les bifetons vont parler à leur place, tu vois. Voilà, la carte bleue va chauffer, ce qui peut se comprendre. Mais du coup, c'est devenu un véritable business. Et peut-être qu'un jour, on aura le droit à un Spyro 5. Ou du moins, comme j'ai dit, une suite à tous ces Spyro. Avec ses graphismes et cette même mentalité de jeu. Dans un prochain opus, voilà. Ou peut-être qu'ils vont refaire le 4. Mais après, ça va être le bordel pour refaire le 4 et le 5. Parce que
c'était pas les mêmes studios qui avaient les droits et tout, enfin... C'est assez désorganisé, quoi, ça va être compliqué. Pense à bien garder ton ami Sparks en bonne santé, Spyro. S'il est trop faible, crache des flammes sur une petite créature comme cette limace pour libérer un papillon. Eh bien, merci pour les astuces. Mais oui, je trouve du coup... En fait, je constate encore plus, avec ce Reignite Trilogy, que Spyro 5 n'a pas pris une ride. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Il y a juste un petit lissage à faire, parce que c'était de la 480p. Mais sinon, ça vieillit pas du tout, quoi. C'est vraiment génial. D'ailleurs, j'ai envie de rejouer à Spyro 5. C'est malin. Mais non, à chaque fois, j'ai beau jouer à Spyro 1, 2, 3, 5, le 4, en soi, vous savez à quel point j'adore troll Spyro 4. Je le déteste pas, mais Spyro méritait mieux. Voilà. Il y avait de très bonnes idées, je dis pas, hein. Il y avait des trucs, c'est très bien. Mais c'était tellement mal apporté que ça a été une catastrophe, quoi. Il y avait des choses bien, comme je l'ai dit, mais trop de choses mauvaises. Et les choses très mauvaises ont pris le dessus, et malheureusement, bah, ça salit la réputation du quatrième opus. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, on va dire que le 4 était un brouillon pour créer la perfection qu'a été le 5. Moi, je me rassure comme ça, je sais pas pour vous, mais... mais ouais, j'espère vraiment qu'un jour, ils referont un nouveau Spyro, mais dans cette âme-là, en fait. Qui sait? Je l'espère. Après... C'est entre les mains de Toys for Bob si jamais ils gardent des droits pour Spyro. Ah voilà, il me semblait bien que j'avais oublié un endroit ici. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ce monde. Personnellement, je suis très conquis, je suis toujours aussi fan. Et comme j'ai dit que je joue à la version originale ou le Reignite Trilogy, je suis toujours en admiration et j'ai toujours l'impression de revivre ma première fois sur le jeu. Dans chaque monde où je mets les pieds. C'est un truc de ouf. Bah là encore plus parce que ça fait 20 ans après, mais... Tiens, prends cet homme. Il l'est distribué à la loge Tiki hier soir. Ah, pff, ouais. du coup, là, ce que nous pouvons faire, bah déjà, on va prendre les joyaux qui restent par ici. La clé, oui, j'allais partir sans ouvrir le coffre. Bien, je crois que c'est à nous de jouer. Je vais surveiller pendant que tu t'occupes des Rinoc. Bien sûr. Mais ça, c'est normal. Je veux dire, c'est naturel. Voilà. Et maintenant, nous pouvons partir en direction du premier mini-jeu. Qui n'a besoin d'absolument personne à part Spyro. Là où le second mini-jeu, on a besoin du Sergent Bird. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, malheureusement, il n'est pas délivré encore. Il n'est pas libre. Donc voilà. En mission à l'intérieur d'une cage, c'est génial. Et vous allez voir que Grosou, dans ce jeu, il va vraiment nous arnaquer, mais encore plus souvent que dans le 2. Mais on aura notre petite revanche à la fin du jeu, donc ça vaut tout l'or du monde. On peut patienter, lui donner autant de l'argent qu'il veut. À la fin, il va douiller, donc c'est pas grave. Voilà. Spyro, tu arrives juste à temps. J'ai vu deux voleurs 2 passer par cette porte. Enfin, en fait, ils m'ont payé pour garder leur repère. Mais c'est une autre histoire. Je te laisserai volontiers passer contre... une petite récompense. Merci, Spyro. Et bonne chance pour attraper ces satanés voleurs 2. Donc, j'avais bel et bien raison, c'était deux voleurs. J'étais pas sûr, hein, mais il me semblait que c'était deux. Bon, et bah écoutez, on va redécouvrir la supercharge. Et cette fois-ci, ce sera quand même un tout petit peu plus dur. C'est toi le dragon qui cherche ses œufs. Parce que j'ai vu un type bizarre qui en avait un passer par là. Bah merci de ces indications mon pote. Dans un premier temps, comme d'habitude, hein, je fouille la zone, je récupère tous les joyaux. J'allais dire faites attention, mais j'allais pas dire faites attention à ça. C'était plus à autre chose. Dans ce monde là, il y a un endroit. Oula. Il y a un endroit qui se fond dans le décor. Donc vous aurez compris que c'est de la roche. Et on peut le casser, c'est ici. Ah oui, c'est flagrant dans le 3. Ok, d'accord. C'est extrêmement flagrant, ça va. Parce que dans le 3 de base, c'était visible, mais beaucoup moins, quoi. Là, se dire, hey, regardez, rentrez-moi dedans, vous pouvez passer à travers. Bon, voilà. Alors, c'est pour pas grand-chose, mais c'est toujours bien si vous voulez avoir justement les points de compétence et faire le vraiment le full 100%.
Alors comme j'ai dit, on va faire le tour du propriétaire, on va récupérer tous les joyaux. Et ensuite on va botter le train de ces voleurs. Et nous devrons utiliser également la supercharge pour casser ce coffre. Rien de bien sorcier, hein, vraiment c'est très simple. Retenez bien ce que je viens de dire, je vais me louper la première fois. Ça se passe toujours comme ça. J'ai un karma instantané, c'est ça qui est bien. Ah mais... Ah bah oui, non, bah oui, oui, bah voilà, je trollais, bah voilà, je se fous de ma gueule. C'est à partir du deuxième voleur qu'on a la supercharge. Ça par contre j'avais totalement zappé. Et je m'en suis souvenu bah juste après avoir essayé d'avoir la supercharge, mais non. Bon, celui-là va être chiant, contrairement au suivant où est-ce que avec la supercharge ce sera beaucoup plus simple. Là c'est une question d'endurance. Faut faire l'intérieur des virages, comme si on était dans une course automobile. Bon là il reprend toujours un peu de vitesse, c'est normal. Hein. Mais on va l'avoir avant la fin de ce tour, vous en faites pas. Là au prochain virage je l'ai. Attention! Hop! Ma chienne fait exactement pareil, sauf que... elle se prend les coins de meubles en même temps. Donc voilà. Ça vous donne un peu une idée à quel point. En fait, les chiens, enfin même les animaux en général, mais je trouve les chiens surtout, ils sont capables d'être hyper intelligents, genre avoir 10 000 de QI, comme en avoir moins 5 000. Parfois ils vous font des trucs, c'est complètement con, et parfois c'est des trucs hyper intelligents. C'est le jour et la nuit quoi. Bon, au moins, sans difficulté, je vous l'avais dit, hein, le second voleur est beaucoup plus simple à attraper que le premier. Puisqu'on a justement cet effet de charge, en fait. On a deux charges en super boost. Vous avez la première là. Et une fois que vous allez encore plus vite... Attendez. Voilà. Donc là, vous gagnez encore plus de vitesse. Et forcément, vous faites la pige au voleur, quoi. Donc là, nous avons terminé ce monde-là. Enfin, pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas... faire la partie du chargeant bird, hein, du chargeant, puisqu'il est en captivité. Voilà. Donc, merci à toi. Il faut vraiment fermer ces voleurs. Et donc, eh bien, c'est ici que nous allons conclure notre épisode. On va peut-être quitter le monde, je sais plus si on aura le droit à une cinématique, j'en doute. Puisque là, il nous reste un monde, plus le monde de vol. Et ensuite, ce sera terminé pour ce monde-là. Et nous pourrons... affronter notre premier boss. Ou alors peut-être que le monde de Spark sera disponible juste à la toute fin, je sais plus. Ah, je m'en souviens plus. Ok, nous n'avons pas de cinématique, donc au moins ça confirme ce à quoi je pensais, parce que j'en étais pas sûr. Bon, dans le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, nous allons faire la plage aux coquillages, je crois que ça s'appelle comme ça. Super! Mon portail fonctionne! On se retrouve à la plage! Le nom n'est encore... Mettez le nom encore plus long. Côte des coquillages. Ah, ils l'ont changé, je crois. Parce que c'était des coquillages, mais je crois que c'était plage des coquillages ou... Je sais plus. En tout cas, j'espère que cet épisode numéro 5 vous aura plu, que la Loge Tiki vous a fait plaisir. Que le fait de revoir la Loge Tiki vous a fait plaisir. Pour ma part, ravi, comme d'habitude. Et puis dans le prochain épisode, comme je l'ai dit précédemment, nous dirigerons en direction des côtes, des coquillages, et puis nous ferons... Ah, il y a un mini-jeu vraiment génial dans celui-là. Si je vous dis requin, bataille navale, ça vous dit quelque chose? Et ben voilà, c'est dedans. Et si je vous dis tunnel avec courant très fort, parce qu'il faut aller tout au bout sans se prendre les ennemis... Alors, je sais pas si dans ce tunnel-là, il faut détruire tous les ennemis ou les éviter. Non, faut les détruire et éviter tout le reste. Parce qu'en fait, il y en aura deux dans le jeu. Il y aura dans ce monde-là et celui de la mine d'Ino. Et celui de la mine d'Ino est un peu plus dur. Mais c'est beaucoup plus tard dans le jeu, hein. C'est dans les jardins, dans les montagnes de minuit, je crois, qu'il s'appelle. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et dans le prochain épisode, nous ferons ce portail. Allez, gros bisous!